Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le match retour de Ligue des Champions, le quart de finale. Retour plutôt à domicile au Groupama Stadium face à Leipzig après un match tendu à l'extérieur, 3 buts à 2. Il va falloir tout donner pour le match retour pour nous qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Donc c'est parti, écoutez. Bonsoir à toutes et à tous. Quand on aime le foot, évidemment, on ne peut pas être indifférent à l'ambiance grandiose qui règne dans ce stade. La team Dada est ravie de vous retrouver pour vous faire vivre ce grand moment. Et tout de suite, on se retrouve pour ce quart de finale retour de la compétition. Et c'est une très belle fête en perspective qui s'annonce entre deux belles équipes. Le contexte est plutôt favorable à l'OL grâce à ce succès obtenu au match aller. Avec un but d'avance, c'est bien, mais attention, il ne faut pas se contenter au match retour. Voici la composition de l'Olympique Lyonnais. Dans le but, Anthony Lopez. Luka Modric sera épaulé par Frankie de Jong au milieu de terrain. Et devant, c'est Kylian Mbappé qui est titulaire. Et donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. Avec la petite cloche, bien sûr, à notification pour ne rien manquer du contenu à suivre. C'est bien, mais il faut aussi après ce let's play sur FC24. C'est la cour de Leipzig. Évidemment, la saison touche bientôt à son terme et que donc nous allons attaquer sur d'autres jeux par la suite. Allons, qui progresse. Puisque la fin de cette saison signifiera la fin de notre let's play, évidemment. Et on a marqué un but. Voilà le premier but de la rencontre. Et qui te donne la confiance. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Voilà, il est passé sur ce bon geste. Et oui, super jaillissement là, on soutient pour récupérer le ballon. Ah, il peut courir. Essaye de donner en retrait. Quel arrêt, quel réflexe. À bout de temps, c'est tous les miracles que ce ballon ne finisse pas au fond de filet. Au corner. Ah, le gardien revoit, mais ce n'est pas terminé. Oh, c'est contré. Il faut faire attention parce que si eux marquent là chez moi, ça peut coûter cher. Le ballon pour Frankie de Jong. Ah, attention, le ballon leur échappe. C'est plus à marquer pour le coup. David Alaba, le tour est remporté. Chez eux. Ousmane Dembélé avec le ballon. Le ballon est dégagé. Le tir de Modric. Ah, elle est contrée cette frappe. Superbe intervention dans la face. Le ballon est dégagé, ça sort en corner. Ah, le jeu est interrompu pour un remplaçant. C'est bien frappé par Dembélé. Le ballon pour Skriniar. Et voilà le but. Deuxième but contre cette équipe, ça fait 2-0. Et ça joue vers Modric. Le tir de Modric. Allez, 3-0. Allez, Toto est séché. Un troisième but d'avance. Là c'est mort. Là c'est mort. A bu rien au tableau d'affichage. On est qualifié grâce à ça. Et ça y est, l'arbitre qui indique la date. Bien sûr, on va faire la rencontre jusqu'au bout. Allez, c'est parti pour la seconde période. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui donnait à l'instant. Et ça joue sur Ousmane Dembélé.
L'arbitre laisse l'avantage. L'arbitre décide de revenir à la faute initiale. Mbappé, le coup franc est encadré, mais c'est parfaitement capté par le gardien. Keba, pressing haut sur le terrain. Et l'équipe récupère le ballon. Alaba, Hakimi mérite du ballon. Kylian Mbappé. Et ça joue vers Achraf Hakimi. Et 4-0 pour l'Olympique Lyonnais. Le voilà, le pichichi de la compétition. Mais oui, vous avez raison. C'est une performance individuelle extraordinaire, une grande source de motivation pour lui. Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Kylian Mbappé. Ah, ça arrive sur Mbappé. Fede Valverde. Et c'est encore pour Mbappé. Oh, la parade de Boulaï. Ballon dans la surface. Fede Valverde avec le ballon. Allez, 5-0 pour l'Olympique Lyonnais. On arrive même plus à l'égalité, notre qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Et oui. Dani Olmo. C'est récupéré par Militao. Hakimi. Un ballon pour Frankie de Jong. Valverde. Et encore Frankie de Jong. La passe pour Valverde. Oh, le réflexe! Et de toute façon, le drapeau était debout. Et un changement donc. Et parmi les affiches à suivre bientôt ensemble, notez cette rencontre de Ligue 1, l'OL affrontera le FC Lorient. Oh, Boulaji ! Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Un corner qui est bien ajusté. Et ça joue sur Fede Valverde. Parade, oui, du gardien ! Le ballon pour Francky de Jong. C'est contré. Excellente intervention. Allez, bien frappé ce corner. Oh, punaise! Le but pour le doublé. Quelle réussite! Quel sens du but! Sa forme est étincelante. Et ça nous donne des frissons. Et avec ce nouveau but, ça fait 6-0 au score sans appel. Et voilà, un ballon récupéré. Frankie de Jong avec le ballon. Et encore, Frankie de Jong. Attention à cette occasion. 7-0. Un nouveau but. On ne s'arrête plus. Quelle punition. Et avec ce nouveau but, la démonstration continue. Et c'est fini. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre. Et donc, largement, notre qualification demi-finale de Ligue des Champions est acquise. Et là, on va continuer de passer aux choses... passer dans le dur, plutôt. Petit à petit, s'enfoncer dans la difficulté. Ah, on ne connaît pas encore notre adversaire. Ah, le Paris Saint-Germain s'était éliminé par la Juve. Ah, on aura peut-être le Juve.
Manchester City, Liverpool et FC Barcelone et Real Madrid, bien sûr. La prochaine fois, ce sera de la Ligue 1 avec le déplacement à Lorient. Du coup, ah, ça fait le... ah, on n'a pas fait le derby, mais c'est vrai qu'il interviendra après. Il y a Monaco et Marseille qu'on n'a pas affronté aussi. Donc, ça promet encore du beau match. Et donc voilà, ce sera ça pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi.